feras-tu aujourd'hui? Je te sens pas très en forme. Je trouve que tu as une toute petite mine. Dis-moi, que se passe-t-il? Je suis là. Si tu veux en parler, je sais écouter, comprendre, entendre, sans juger. Alors, si tu as envie de parler, de discuter, de te confier, je suis là. C'est une bougie parfumée aux épices d'hiver, aux épices d'hiver. Veux-tu que je l'allume? Ceci, pour que tu puisses la voir de temps en temps. Alors, dis-moi, que se passe-t-il? Que t'arrive-t-il? Confie-toi, dis-moi tout ce que tu veux me dire, et je t'écoute, sans jugement. Je sais écouter, tu sais, et surtout comprendre.
Des erreurs. Nous avons tous des échecs. Ça fait partie de la vie. Et tu sais, on apprend toujours de ces erreurs. C'est un mal comme pour un bien. Et surtout, ne jamais se décourager parce que tu n'as pas réussi quelque chose qu'il te tenait à cœur. Le principal, c'est que tu aies essayé. Est-ce le cas? Alors, si tu as essayé, tu n'as pas de regrets à avoir. On ne peut pas tout réussir, tu sais, même si on se donne à 100%. N'essaie pas non plus de ressembler à quelqu'un que tu admires. Tu as ta personnalité. Et il faut la garder, ne pas vouloir changer pour ressembler à une personne à qui tu voudrais ressembler. Les écoutes.
personnes sont malsaines, mais se croient supérieures aux autres. Souvent, ces personnes-là, eux-mêmes, ne sont pas bien dans leur peau. Et rabaisser les autres, c'est un moyen pour eux de se revaloriser. Mais ce n'est pas une bonne solution, et ce n'est pas très joli. Alors, tu vois, ne sois pas intimidé par les autres, par les gens que tu admires. Ils sont comme nous, et bien souvent, ils ont beaucoup plus de problèmes que nous. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous nos valeurs, nos défauts, nos faiblesses, nos peurs, nos craintes, notre tristesse, notre souffrance, notre mal-être. Nous sommes tous des êtres humains. Personne, je dis bien personne, n'est supérieur ou inférieur à d'autres malgré leur statut social ou leur fortune. Ce n'est pas l'argent qui fait un être humain, qui fait une bonne personne. C'est ce qu'on a dans notre cœur. D'accord? Alors reprends. Reprends confiance en toi. Et dis-toi que les gens qui t'ont rabaissé ne valent rien. Que ce sont de pauvres êtres perdus qui ont juste trouvé ce moyen de se sentir grand, de se grandir en abaissant les autres. Mais ce sont de pauvres diables, crois-moi. C'est eux qui sont à plaindre, pas toi. D'accord? Alors on écoute plus ce genre de personnes. Comme je te l'ai dit, ce sont de pauvres diables qui ont besoin de diminuer les autres, de se mettre sur un piédestal pour se sentir important. Mais toi, tu n'as pas besoin de rabaisser les autres pour te sentir importante, pour être importante, important. Non. Ma méchanceté, ce n'est pas ça. La beauté, c'est la gentillesse, la bienveillance et surtout la sincérité. D'accord? Et confiance en toi, mon ami, quoi qu'il arrive. Et confiance en toi. Les échecs que tu peux rencontrer ou que tu as rencontrés ne font pas de toi quelqu'un de mauvais ou d'incapable. Mais non, pas du tout. Essaie de trouver quelque chose qui te corresponde. Quelque chose que tu aimes faire. Ne cherche pas à vouloir ressembler aux autres, c'est une très très mauvaise idée. Tu as ta personnalité à toi. C'est ça qui est important. Chacun a sa propre personnalité et il ne faut surtout pas essayer de la changer pour ressembler à quelqu'un d'autre qui au fond n'est pas si heureux que ça. Crois-moi. J'ai connu beaucoup de personnes qui étaient très malheureuses et qui, pour se rendre intéressant ou se sentir important, n'ont fait que rabaisser les autres. Et au final, c'est eux les plus malheureux. D'accord? Et confiance en toi surtout. C'est normal que tu aies des moments de faiblesse, de fatigue, de découragement. C'est normal que quelquefois tu n'aies pas envie de te lever le matin et tu te dis « À quoi bon me lever ?»
fais, je ne suis bonne à rien ou bon à rien. Ou quand tu te lèves le matin, tu te dis, personne ne m'aime. Tu sais, on est toujours important pour quelqu'un. Et ton sourire est le plus beau cadeau que tu puisses faire aux personnes qui t'aiment. Alors pour les gens que tu aimes et surtout pour toi, ne lâche rien. Malgré ce que tu peux entendre autour de toi, malgré la méchanceté, malgré la jalousie, parce que dis-toi bien que les gens qui rabaissent les autres sont souvent des personnes jalouses ou qui n'ont rien compris à la vie, aux valeurs de la vie. Pour moi, les personnes qui rabaissent les autres sont des âmes perdues. C'est toi qui as tout compris. Vis. Fais ce que bon te semble. Fais ce que tu ressens. Toujours, toujours avec ton cœur. Avec ton âme. Mais surtout pas pour ressembler à ces personnes-là qui se croient supérieures à tout le monde et qui pensent tout savoir de la vie. Mais qui au final, eh bien, n'ont rien compris. Moralise pas. Lorsque tu ne te sens pas bien, repose-toi. Lâche prise. Si cela te fait du bien d'être seul, alors isole-toi. Prends du recul. Va te promener dans la nature. Ça ressource énormément la nature. Écoute le vent dans les feuilles. Écoute les oiseaux. Écoute le silence. Tout simplement. Eh oui, on peut entendre le silence. Et c'est un réconfort estimable. Très très important. Et puis ensuite, lorsque tu te sens un peu mieux, réfléchis à ce que tu voudrais faire. Réfléchis à ce que tu aimes faire. Et essaie de trouver quelque chose que tu aimes faire, qui te motive. S'il faut changer ta vie, s'il faut changer de branche, s'il faut changer d'amis, s'il faut changer ta façon de vivre, eh bien recommence. Recommence tout, tu sais. La vie est un éternel recommencement. Il ne faut pas avoir peur de repartir à zéro. Si ta vie actuelle ne te correspond pas, si ta vie actuelle ne te rend pas heureuse, heureux, eh bien, change tout. Repars à zéro. Tente autre chose. Et crois-moi, tu finiras par tout. Et crois-moi, tu finiras par trouver ce qui te convient. Le principal, c'est que tu t'épanouisses dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu aimes. Que tu sois bien. Que tu t'accomplisses. C'est important. Prends ton temps s'il faut. Dis-toi que tu es une très très belle personne. Que tu as une très belle âme. Défends-toi si on t'attaque. Avec intelligence, ne te rabaisse pas comme eux, surtout. Quelquefois, tu sais, il suffit de ne pas répondre aux attaques, de les ignorer. Mais bien sûr, quand ça va trop loin, il faut savoir aussi se défendre, ne pas se laisser marcher sur les pieds. Répondre aux imbéciles par ton intelligence. Tu sais, le monde est fait de personnes malveillantes, malsaines, qui se nourrissent des malheurs des autres. Et ces gens-là, si tu en as autour,
Chasse tes peurs,
chasse tes craintes. Et dis-toi, je vais y arriver. Aime-toi parce que tu mérites d'être aimé, mais il faut s'aimer soi-même. C'est très important pour t'épanouir, pour être heureuse, heureux. Il faut apprendre à t'aimer déjà. Je sais que tu vas y arriver. J'en suis certaine. Tu as tout ce qu'il faut pour cela. Et tu verras. Tout ira mieux lorsque tu vas lâcher prise. Lorsque tu vas prendre confiance en toi. Lorsque tu vas t'aimer, te respecter. Ne pas laisser les gens te manquer de respect, te rabaisser. Tu vas prendre confiance et conscience de la personne que tu es. Et tu vas découvrir une magnifique personne que tu avais oubliée. Toi. Toi, oui, toi. Regarde-toi. Tu es très très belle. Aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Et ne laisse jamais les gens dire le contraire, parce qu'ils ont tort. Il faut te connaître pour voir que tu es belle, que tu es intelligente, intelligent, beau, et que tu as tout pour réussir dans la vie. Que tu es forte, que tu es fort face aux échecs, aux attaques de l'extérieur. Il faut peut-être que tu te durcisses un petit peu pour faire face aux attaques, tout en restant bien sûr toi-même, respectueuse des autres, même si eux ne le sont pas. Ne sois pas comme eux. Moi, ces personnes-là, malgré tout, me font de la peine. C'est eux qui sont inférieurs. Rabaisser les autres comme cela. Les pauvres. Toi, tu n'es pas comme ça. Toi, tu es une personne bien, avec un grand cœur, avec une belle âme, et avec plein, 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 plein de qualités. Tu ignores et que tu vas découvrir si tu prends confiance en toi. Regarde-toi dans la glace et dis-toi, je suis belle, je suis beau. Les autres ne savent pas me voir tel que je suis. Ils sont de la poudre dans les yeux. Alors, montre-leur qui tu es. Montre-leur la belle personne que tu es. Forte, faible à la fois, sensible, tout ce mélange qui font qu'on est humain, un humain avec plein de qualités, de gentillesse. Bah, ces humains qui font n'importe quoi pour se rendre intelligent aux yeux des autres. Tu n'as rien à prouver à personne, d'accord? Si ce n'est à toi. Tu ne dois rien à personne. Si ce n'est à toi, tu te dois d'être heureuse. Tu te dois d'être heureux. Respecte-toi. Aime-toi. Vis ta vie le plus sereinement possible. Fais les choses que tu aimes. Aime qui tu veux. Qui tu veux. Et laisse le jugement des autres. Ignore-les. Comme je te l'ai dit.
tous égaux malgré nous. Nos revenus, nos richesses. Nous sommes tous des humains. Nous respirons le même air. Nous avons tous un cœur qui bat, plus ou moins fort pour certains. Nous vivons sur la même terre. Tu vois, nous sommes tous semblables. Le reste, c'est juste artificiel. Comme cette jolie flamme. Il faut jamais t'éteindre ou te laisser éteindre par qui que ce soit. Cette petite lueur, il faut toujours la voir au fond de toi, au fond de ton cœur. Et lorsque ça ne va pas et lorsqu'elle s'éteint, rallume-la très très vite. Change jamais pour personne. Les gens qui t'aiment t'accepteront tel que tu es. Ne t'efface jamais pour personne. Fais-toi entendre toujours. Ne te laisse jamais, jamais tu entends rabaisser par qui que ce soit. Personne n'est supérieur à toi. On est tous égaux. Malgré tout ce que peuvent dire les autres, on est tous égaux. Ne l'oublie jamais. Ils sont faits de chair et de sang. Donc, et surtout, lorsque tu es trop fatigué et que tu as un ras-le-bol de tout, repose-toi. Repose-toi. Essaie de trouver l'endroit où tu te sens le mieux. Lâche prise tout doucement. Respire.
Tu es une très belle personne, que tu as énormément de valeur, de qualité. Cherche bien au fond de toi et tu vas les découvrir si tu ne l'as pas encore fait. N'aie pas peur de repartir à zéro si pour toi rien ne va. Mais si c'est encore un échec, et bien recommence. Et tu verras, tu finiras par être récompensé et trouver ta voie, t'épanouir, être heureuse, heureux. Reste toi-même toujours. Certaines personnes, c'est très dur, je sais. Mais dis-toi que là, ça fait partie de la vie. Les relations amoureuses, c'est très compliqué. Mais si ça n'a pas marché avec une personne, c'est que ce n'était pas la bonne personne pour toi. Mais cela ne veut pas dire tu ne rencontreras jamais la bonne personne. Tu la rencontreras le moment voulu où tu t'y attendras le moins. C'est toujours comme ça. Quand on veut trop fort quelque chose, ça n'arrive jamais. Il faut de temps en temps se dire: j'arrête de trop espérer. Je laisse faire les choses. Et tu verras, c'est là que ça marche. Est-ce que ça va mieux? Mais aussi, elle peut te réserver de très très belles surprises, de très belles choses. Il faut y croire toujours. Et surtout, lorsque tu ne crois plus à rien, te reposer, te détendre, t'isoler pour te ressourcer. Si tu as besoin d'être seul, si tu ressens le besoin, alors fais-le. Si au contraire tu as besoin de compagnie, va vers les gens dont tu as confiance et qui te respectent. Et si tu as besoin de parler, parle. Ne garde pas tout pour toi. C'est jamais bon de garder sa souffrance au fond de soi. Si tu as des personnes de confiance, confie-toi à eux. Et tu sais, quelquefois, des personnes que tu ne connais pas peuvent également t'aider. Crois à ta bonne étoile. Crois en ta bonne étoile. On en a tous une. Si, si, si. On en a tous une.
principal, c'est que tu restes toi-même. C'est que tu t'aimes. Que tu comprennes enfin que tu as des valeurs et des qualités. Et surtout, si des personnes te rabaissent, laisse-les dire. Ils sont que de pauvres fous, de pauvres ignorants, qui ne savent pas te regarder, qui ne comprennent pas la personne que tu es vraiment. C'est dommage pour eux, mais pas pour toi. Ces personnes-là, évite-les. Coupe les ponts avec eux tout de suite si tu en as autour de toi. Ils ne peuvent pas te faire avancer. Et si tu n'en as pas, entoure-toi de bonnes personnes. Et si, hélas, tu n'en as pas, tu finiras par en trouver. Tu verras. Mais il n'y a pas que de mauvaises personnes, il y a de très bonnes personnes. Il y en a plein. Il y a plein de personnes comme toi qui ont les mêmes peurs, les mêmes souffrances. Chercher au plus profond de soi et les accepter. S'accepter, c'est très important aussi. Même si parfois on peut être différent pour les autres. On a tous notre propre beauté. C'est très important. Tu sais, si on ne s'aime pas, c'est très difficile d'aimer les autres. Donc déjà, c'est la base. Allez, mon ami, réfléchis bien à tout ce que je t'ai dit. Jamais eu confiance en toi. Et n'écoute pas les autres te rabaisser ou te dire que tu n'es bon à rien, que tu n'es bon en rien, que tu ne vaux rien. Laisse ces personnes parler. Ils sont inutiles dans ta vie. Mais ce ne sont que des ignorants. Des gens qui ont besoin de rabaisser les autres pour se sentir. Regarde-toi comme ça.
confier à qui que ce soit. Tu as ta propre personnalité. Tu es très belle, tu es très beau. Sois-en sûre. Fais tout ce qu'il faut pour être heureuse, heureux. Malgré les barrières, malgré les échecs, crois toujours en toi. Soin de toi. Tout va bien. Tout va bien. Et tout ira très très bien.